Good morgen, allez, je suis rejoint le Nishmat, Avraham Mordechai Ben Yitzhak Fani, Lor Léa Bat Beila et Armand Amram Ben Sulikado. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude du Mishnah à contacter 5 minutes éternelles, nous étions à Seret Regia, Père Gimel, Mishnah Vav, Agabin Shinichinsu le Toch Abait, Mechan Aganavim Sheikh Ziru et Akirim, Nemanim Lomar Lon Aganu, ou Birushalem, Nemanim Al Akodesh, On continue avec les lois de pureté qu'on est déjà en train de découvrir avec à présent Agabein Shenichnesu Letoch Habayit. Agabein, c'est les, comment dire, les percepteurs d'impôts qui sont entrés dans la maison. Et de même aussi des voleurs qui ont rendu des ustensiles. Eh bien, la Mishnah me dit Nemanim Lomar Lon Aganu, ces deux types de personnes sont cru s'ils nous disent qu'ils n'ont pas touché. On parle de quoi exactement? On parle qu'il y a les percepteurs d'impôts, ils sont venus à la maison, il n'y avait pas de goïm, il n'y avait que des juifs. Ils sont là, ils sont nommés par le roi pour venir prendre des impôts. C'est des gens qui ne respectent pas forcément, pas du tout même, les lois de pureté et impureté. C'est pas tellement leur problème en général. Malgré tout, ils sont entrés dans la maison et ils nous disent, sache que bon, j'ai ici cette pièce là-bas, j'ai pas touché aux ustensiles. Ouais, ou bien, ou encore, plus précisément, comme ça c'est précisé dans le Verte Noir, que par exemple il y avait des ustensiles en argile, vous savez que les ustensiles en argile, pour qu'un ustensile en argile devienne impur, il faut nécessairement le toucher par l'intérieur, pas par l'extérieur. D'accord? Il faut dans le contenu, il faut on a l'ustensile comme ça, il faut l'avoir touché par l'intérieur. Klicheres metame mitocho velo migabo. Depuis l'intérieur, il n'y a pas de son dos, pas par l'extérieur, d'accord? Donc maintenant, ils viennent et nous disent, moi, on n'a pas touché à ça. On a fait attention, mais ben, on les croit. Et aussi, il y a les voleurs aussi. Ils ont... on parle de voleurs qui font tchouba. Ils ont pris tout un butin, ils ont ramassé des ustensiles, et puis finalement, quelques jours après, ils reviennent et ils rapportent tout, ils disent que font tchouba, ils veulent tout rendre. Ils nous disent, sachez que maintenant, ces ustensiles, on ne les a pas touchés. On n'a pas mis les doigts dedans. Extérieurement, oui, puisqu'on les a déplacés, puisqu'on les a pris, on les a ramenés, on ne les a pas touchés à l'intérieur. Et bien, dans tous ces cas-là, on les croit. D'accord? À part ça, la Mishnah me dit encore, au Birushalayim, on parle de gens qui n'avaient pas d'intérêt à mentir. Ils auraient pu nous dire qu'ils ont rendu impur. Ils viennent et nous disent qu'ils ont tous les gardés purs. On n'a pas de problème, on les croit. À part ça, au Birushalayim, il n'est manim à la Kodesh. À part ça, à Yerushalayim, tous les Améharets, tous les gens simples, sont crus pour les ustensiles. Ils sont crus pour tout ce qui concerne les ustensiles qu'on va utiliser pour le Kodesh et pour les Korbanot. Comme ce qu'on avait vu qu'à Yerushalayim, on avait plein de droits d'avoir des usines, des fabriques d'ustensiles en Kheres, ça produisait de la chaleur et des odeurs, il n'y avait rien d'interdit, il n'y avait pas de Kifshal à Yerushalayim. Donc du coup, à Yerushalayim, on se retrouvait sans possibilité de créer des ustensiles, il fallait nécessairement, comme on a dit dans le Mishnah précédent, et donc il fallait nécessairement les apporter de l'extérieur, c'était pas les gens les plus érudits qui les apportaient. Donc du coup, pour pouvoir ramener ou tolérer, ils ont pas décrété d'impureté sur ça. D'accord? Donc ils sont crus, cela m'arrête même sur le Kodesh, et même mieux que ça encore, au Bishat HaRegel, et à l'époque, pendant la période des fêtes, eh bien ils sont crus même, les Amaretz, à faire la Trouma, même sur les lois de la Trouma. C'est quelque chose de très particulier, d'ailleurs on va en parler un petit peu plus dans la prochaine Mishnah, que pendant les fêtes, eh bien, tout le monde s'appelle des chaverim, tout le monde s'appelle des gens méticuleux sur la lachot, que dans ce cas-là, le Amaretz ne véhicule plus d'impureté. De manière générale, il y a le Amaretz, Rabbi, on décrétait toutes sortes d'impuretés chez un Amaretz. On avait déjà vu que ces vêtements, ils sont migras, les traumas, et bien, toutes ces impuretés, elles sont toutes levées pendant les fêtes. Pendant les fêtes, on considère même le Amaretz comme un tel chacham, qui véhicule plus d'impureté. On verra ça plus longuement dans la prochaine Mishnah, avec des halakhot très particulières, on va découvrir ce qui se passe une fois que la tzet passe, que ce qu'elle a touché va devenir rétroactivement impur. Ça, on verra les attachés pour la prochaine Mishnah. Donc c'est ce que la Mishnah est venue pour le moment introduire, en me disant que pendant les fêtes, ils s'appellent tous comme des bons juifs qui ne rendent pas impures les choses, n'ont pas maintenu les décrets pendant les fêtes. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de tzlacha kol tov.